Oui, merci à tous ceux-là qui ont été là depuis, parce que la majorité était là avant. Alors, on va saluer tout le monde qui est ici. Nous saluons nos alliés. Nous allons commencer par saluer les alliés du MRC. Le MRC dans la salle? Le MRC dans la salle? Nous applaudissons pour le MRC qui est représenté. Nous disons bonsoir à nos alliés. Je porte leur écharpe parce que je suis capable. Nous saluons ceux de l'Arc. Nous applaudissons pour nos alliés qui sont capables aujourd'hui. ACR. Les capables, ils sont du côté de Dieu, hein, parce que Dieu est capable. Ma camarade Nzambe. Alors, nous allons aussi applaudir et saluer nos frères de l'UNC qui sont valablement représentés ce soir. L'UNC est là aujourd'hui. Les alliés de Taï, nous sommes fiers de vous, l'UNC. Et nous allons saluer les fourmis. Nous avons les fourmis rouges parmi nous ce soir. Très bien représenté. Merci aux fourmis rouges. Merci pour la mobilisation. Nous sommes fiers de vous, les fourmis rouges. Et maintenant, nous allons saluer Ananda Rubisomoko. Une épaisse. Je représente le MRC, je représente l'UNC, je représente les capables, la CR. Et les fourmis rouges sont bel et bien représentées avec moi aujourd'hui. Nous allons commencer notre soirée avec un léger retard, mais nous allons nous assurer de faire un effort pour terminer à temps. Aujourd'hui, c'est le lancement. Nous sommes là pour commencer, lancer notre campagne. Et donc, nous allons commencer avec l'hymne national du Congo. On va se mettre debout. Et je disais pendant la journée que l'hymne est une chanson patriotique. Quand nous chantons l'hymne national, nous devons avoir dans cette chanson. Parce qu'il y a eu du sang versé sur les hymnes. Il y a des gens qui ont combattu pour que nous soyons indépendants. Et donc, donnons le sérieux à cet hymne. Quand on chante l'hymne, on a la main dans le cœur, on est droit, on a la main comme ça. On doit se représenter et montrer que nous respectons notre pays. C'est la chanson de la patrie. Si le DJ peut lancer l'hymne de chez nous, l'hymne du Congo, de Congo.
s'asseoir. Merci beaucoup pour ce chant merveilleux. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons faire ouvrir la cérémonie par une prière. Maintenant que nous avons fait notre chant patriotique, nous allons demander à Maman Marie de nous faire une prière d'ouverture, de confier la cérémonie entre les mains de notre Seigneur. Nous prions avec Maman Marie. Bonsoir, bonsoir. Avant de prier, je voulais juste rappeler quelque chose à mes frères et sœurs. La parole de Dieu dans Ésaïe 30, versets 2 et 3 nous dit « Malheur, dit l'Éternel, enfant rebelle, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui descendent dans l'Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » J'ai lu ce passage pour nous rappeler que l'année passée, non, en 2019, lorsque le président avait parlé au stade, président Fatshi, il avait remis le Congo entre les mains de Dieu. Et ça, juste avant de commencer à gouverner sur le pays. Il avait remis le pays entre les mains de Dieu, en respectant justement cette parole que je viens de lire. Lui, il nous a montré qu'il n'est pas un enfant rebelle. Il ne prend pas de décision sans consulter l'Éternel. Et ce soir, si nous sommes rassemblés ici, c'est pour le deuxième mandat. Alors, nous n'allons pas faire les choses sans consulter l'Éternel. Pendant qu'il y en a qui sont sur le terrain, qui font la campagne, il y a une équipe, nous nous constituons en prière pour matin et soir intercéder pour ces élections, pour que le Seigneur qui a choisi le président Fatshi pour les 5 dernières années, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse, c'est lui qui l'avait élevé, nous l'invoquons pour qu'il l'élève encore pour le mandat qui vient, pour que notre pays retrouve la dénomination qu'il avait avant. Alors prions. Tendre Père, nous te sommes très reconnaissants. Ça, ce soir, nous reconnaissons ta souveraineté et nous savons qu'il n'y a rien que nous pouvons faire sans toi. Voilà pourquoi nous venons soumettre tout ce qui va commencer dans cette salle. La campagne électorale, le lancement de cette campagne ici au Canada, nous soumettons toutes choses entre tes mains, aussi bien que ce qui se passe au pays. Père, merci pour la direction que tu donnes, l'intelligence, la sagesse que tu donnes à ton serviteur, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, celui que toi-même tu as élevé pour les mandats passés. Nous venons encore les remettre entre tes mains pour que toi tu lui donnes l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour qu'il continue à conduire le peuple congolais vers la bonne direction. Merci Père pour ce temps que nous allons passer. Merci pour tout ce qui sera dit ici, tout ce que nous allons manger et boire. Nous bénissons toutes choses et nous purifions tout avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Maman Marie pour cette belle prière. Alors maintenant, nous allons appeler Maman Julie Loutété qui va présenter l'équipe de campagne.